Que faire lorsque un homme ne nous rappelle pas Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant, de vous élever, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de faire en sorte de prendre cette belle part du gâteau, de devenir en soi. Irrésistible. Irrésistible dans votre vie, dans vos relations amoureuses, dans le fait d'obtenir ce que vous désirez. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que faire lorsqu'un homme ne nous rappelle pas, ne nous répond pas, ne donne plus signe de vie. Lorsqu'on en sort avec un homme, eh bien, tout de suite, en tant que femme, on a déjà des projets. C'est inhérent aux femmes le fait de se dire que si cet homme nous plaît, si cet homme euh, rentre dans notre idéal, dans ce que l'on recherchait, dans ce que l'on attendait, on va comme ça avoir notre esprit qui vagabonde et on va tout de suite se projeter dans l'avenir. On va se projeter dans des avenirs plus ou moins courts, plus ou moins longs, dans le sens où on aura des attentes par rapport à cet homme. C'est-à-dire qu'on va déjà se projeter dans quelques mois. On va peut-être projeter des vacances, on va peut-être projeter euh, ne serait-ce que plusieurs sorties qui en soi vont nous ravir. On va peut-être projeter des relations beaucoup plus longues en s'imaginant euh, s'installer avec lui, fonder une famille, faire un bébé ou que sais-je. Bref. Nous avons ça en nous, nous nous projetons très très rapidement. En revanche, qu'est-ce qui se passe pour les hommes Eh bien, ils n'ont pas du tout notre manière de fonctionner eux, encore une fois, s'ancrent plus facilement dans l'instant présent. Ils sont là à vivre de bons moments avec la femme qu'ils fréquentent et en fait, euh, ils sont simplement dans une expectative de prendre du plaisir. Ce n'est pas simplement sexuel, mais prendre du plaisir à être avec elle, à partager des moments, à prendre du bon temps. Donc, vous comprenez que dès le départ, déjà dans nos relations, nous n'avons pas le même mode de fonctionnement. Et puis, au fil du temps, comme nous avons donc des attentes comme nous avons des projections par rapport à cette relation, eh bien, nous allons avoir une certaine intensité par rapport à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que on ne rigole pas. On est là vraiment pour quelque chose qui soit sérieux. Et surtout, au-delà de tout ça, si en fait, on regarde en profondeur, c'est qu'on a un vrai désir que l'homme que l'on fréquente nous aime, que l'homme que l'on fréquente nous démontre, nous montre son amour, l'amour qu'il ressent pour nous. Donc, vous voyez très bien ce cas de configuration, et je pense que toutes, moi la première, on l'a vécu. On était avec un homme et on avait vraiment ce désir qu'il puisse en fait répondre à nos attentes tout simplement. Mais tout ne se passe pas forcément comme on le prévoit tout ne se passe pas forcément comme on peut se l'imaginer. Et parfois, dans certaines situations, eh bien, nos espoirs vont pouvoir être mis à la poubelle parce que, sans savoir pourquoi, au bout d'un certain temps, eh bien, cet homme va commencer à baisser en intensité. Même si au départ, tout est parti sur les chapeaux de roue, tout était intense, tout était au top, euh, que cet homme, en fait, donnait du répondant, qu'il était présent, qui qu s'occupait de vous, qui vous sollicitait, qu'il était force de proposition, eh bien, vous allez vous apercevoir sans comprendre que tout ça va commencer, donc, comme je vous le disais, à baisser en intensité. Il va avoir beaucoup moins de rapidité à répondre à vos messages, à répondre à vos SMS, à vous rappeler ou que sais-je. Bref, vous allez, comme ça, au fond de vous, déjà commencer à avoir certaines inquiétudes. Et puis, s'il répond, eh bien, ses réponses seront peut-être évasives. Il s'excusera, il donnera des prétextes qui vous sembleront pas très cohérents, ou alors il sera beaucoup plus neutre, voire beaucoup plus froid dans ses réponses. Et ça, c'est encore quelque chose qui est véritablement douloureux à vivre, parce qu'il y a derrière tout ça une vraie incompréhension. Le fait de se dire Mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui fait que cet homme qui était si bien parti, qui était accroché, qui me donnait des retours positifs eh bien, comme ça, sans que je puisse m'y attendre, il va, en fait, encore une fois, baisser dans ses actions, baisser dans son intensité de réponse. Il ne vous donnera plus de répondant qui puisse vous satisfaire. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là En tant que femme, avec notre volonté de réussite, on va partir bien en tête ce qui fait que tous ces SMS qui vous semblent tièdes, qui vous semblent froids, qui vous semblent en fait venir provenir d'une autre personne mais sûrement pas du gars que vous aviez fréquenté il y a quelques jours, il y a quelques semaines, eh bien ça va vous laisser perplexe. Pire, on peut se retrouver dans des situations où le gars complètement nous ghost, c'est-à-dire ne nous donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Donc mesdames, avant de continuer, je tiens à vous préciser une chose. Aussi, dans 99% des cas, qu'est-ce que l'on fait en tant que femme On va surenchérir. On va se dire qu'en fait, eh bien, il faut qu'on le rattrape au vol. Il faut qu'on lui démontre notre amour. Il faut qu'on puisse lui prouver qu'il fait une erreur. Il faut le rattraper. Et tout ça fait qu'on va se mettre dans une série d'actions qui malheureusement vont nous porter préjudice. Qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là Eh bien, on va surenchérir. Il ne nous envoie plus de SMS, on va renvoyer des SMS. Il ne nous appelle plus, on va appeler plus souvent. Il venait nous chercher au travail, il ne vient pas, c'est nous qui allons aller chez lui. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là On devient fatigante de bonne volonté, on devient épuisante. Et lui, dans toute cette situation, qu'est-ce qui se passe eh bien, il est juste là à observer. Nous n'en sommes pas à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Juste le fait de voir de la manière dont il réagit. Il observe. Il vous observe. Il s'aperçoit que vous donnez. Donnez encore et encore. Lui, comme ça, se dit que vous, vous êtes prête à bouger dans tous les sens. Comme j'appelle à faire la danse du ventre. Pour qu'il puisse revenir vous voir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme quand vous agissez de cette manière À votre avis Et je vous laisse commenter dans la vidéo pour que vous puissiez me faire vos retours, pour que je puisse continuer à vous aider dans tout ce cheminement. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ben, il se dit que si cette femme se met en 4 pour moi, c'est que j'en vaut sûrement la peine. Si cette femme se met en 4 pour moi, eh bien, c'est qu'elle, elle ne sestime pas assez. Elle ne s'estime pas assez valable, elle ne s'estime pas assez louable, elle a besoin de surenchérir qui elle est, au lieu de rester telle qu'elle est, sans avoir besoin de justifier, de se justifier, sans avoir besoin de se vendre plus. Parce que c'est ça ce qui se passe. Quand on est comme ça en quête de l'autre, où on va faire plus d'actions, on va courir après l'autre, eh bien c'est justement quand on a la sensation de ne pas être suffisante. Une personne qui connaît sa valeur, une personne qui se sent stable, une personne qui se sent ok avec qui elle est, elle va pas supplier l'autre. Vous comprenez? Et donc, quand cet homme se sent pourchassé, fliqué, collé, que vous lui mettez la pression, eh bien, la seule chose qu'il ait envie de faire, c'est de fuir, de fuir loin de vous. Vous, vous dévaluez. Il a cette sensation que vous ne vous estimez pas assez. Et comme je vous l'explique toujours dans mes vidéos, dans tout ce que je peux vous enseigner, c'est que si on veut avoir de l'amour, du respect, de euh, l'attention de la part des autres, on doit s'en donner en tout premier lieu. Si vous vous détachez de cette situation et que vous observiez toute cette situation sans être impliqué, imaginez-vous voir une femme agir de la sorte. Vous vous diriez, mais oui, elle se dévalue, elle a comme ça besoin de se justifier pour que l'autre vienne à elle. Comment est-ce possible Toutes ces actions sont vaines, toutes ces actions en fait vous font perdre votre valeur, votre superbe, votre irrésistibilité. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme quand il prend cette décision de ne plus donner signe de vie d'être vraiment très mou dans ses réactions, de vous garder sous le coude ou peut-être de vous donner quelques miettes, quelques gouttes de son attention. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Eh bien, je vais vous dire, mesdames, on s'en fiche. Peut-être que c'est un homme qui est très occupé. Peut-être que cet homme a beaucoup de soucis. Peut-être que cet homme est sur plusieurs fronts, qu'il drague plusieurs femmes en même temps et que bah il y en a une qui est passée avant vous peut-être que vous ne l'intéressez plus peut-être qu'il est passé à autre chose peut-être qu'il s'est lassé de vous pourquoi je vous dis tout ça je ne vous dis pas tout ça pour vous faire du mal pour vous malmener mais au contraire pour vous libérer nous n'avons pas besoin de se casser la tête pour savoir ce que l'autre pense honnêtement qu'est-ce que l'on peut maîtriser à ça est-ce que vous allez pouvoir implanter dans son cerveau le fait de le décider à vous aimer Est-ce que vous allez pouvoir le forcer à aller vers vous Est-ce que vous allez pouvoir contrôler sa manière de penser, ses agissements, ses sentiments, sa volonté ou que sais-je Non. Nous n'avons aucune prise sur les autres. La seule personne sur qui on peut avoir du contrôle, c'est nous-mêmes. Et oui. Nous pouvons avoir du contrôle en nous donnant de la valeur. Nous pouvons avoir du contrôle en n'acceptant pas des miettes d'un homme. Nous pouvons avoir du contrôle en essayant d'investir en nous, de devenir la plus belle version de nous-mêmes, de faire en sorte d'être une femme irrésistible, comme je l'entends, c'est-à-dire une femme qui a forte valeur, qui honore véritablement sa personnalité, qui se respecte, qui est louable, valable, qui investit en elle, qui cherche à donner le meilleur qui est une femme qui va véritablement être toujours aux commandes de sa vie amoureuse pour s'apporter de belles choses et ne pas essayer de mendier des miettes. Parce que mesdames, quand vous courez après un homme comme ça, vous mendiez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'irrésistible On est dans l'énergie de ⁇ aime-moi, aime-moi, s'il te plaît, aime-moi ⁇ Qu'est-ce que ça fait tout ça Ça fait que les hommes n'ont aucune envie d'être avec des femmes qui ne s'estiment pas assez, qui n'ont pas la sensation d'être une opportunité pour cet homme. Vous savez, je parle toujours des vases communicants. Ce que je ressens pour moi-même, les autres le ressentent. Je ne peux pas cacher ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Je ne peux pas, en fait, mettre un masque. Tôt ou tard, je suis démasqué, comme on peut dire. Et oui, parce que ce qui émane de nous, notre énergie, notre vibration, eh bien, elle va transpirer à un moment donné ou à un autre. Et donc, imaginez que vous jouez à la femme sûre, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, et puis dès qu'il y a un moment un peu plus fragile, vous cédez, c'est-à-dire que vous allez lui courir après, vous allez lui envoyer des SMS, vous allez faire tout un tas d'actions pour lui prouver que ben, vous êtes là, et eh bien, là, vous allez perdre votre irrésistibilité. Mesdames, je vous rappelle une chose, les hommes sont des chasseurs. Les hommes sont les super-héros de la situation. Il n'y a qu'à voir de la manière dont on les élève. On va leur dire qu'ils doivent être forts, vaillants, qu'ils doivent enfin trouver des solutions par eux-mêmes. Et vous vous arrivez là et vous lui dites coucou avec plein de grands drapeaux euh, aime-moi aime-moi je suis là. Mais il est pas fou. Il vous voit, il sait que vous êtes là. Et ce grand garçon, s'il a envie d'aller vers vous, bah il va prendre sa voiture, il va prendre son téléphone, il va, prendre, euh, il va vous envoyer un SMS, il va faire une action vers vous. Vous comprenez Donc, n'infantilisez pas les hommes. Ils sont tout à fait capables de faire les actions qu'il faut pour encore une fois vous conquérir, pour encore une fois aller vers vous, pour encore une fois vous charmer. Si nous n'arrivons pas à vivre ce genre de situation, c'est-à-dire à faire en sorte que l'autre fasse ses premiers pas, l'autre aille vers vous, et bien vous ne l'accrocherez jamais. Vous comprenez Je vois certaines femmes qui commencent à comprendre, qui tâtonnent, qui essayent de mettre certaines actions en place, mais comme elles ne les comprennent pas vraiment en profondeur, ou du moins elles ne les sont pas appropriées vraiment, eh bien elles vont faire ce genre de choses. C'est-à-dire ne jamais appeler la première. C'est-à-dire refuser un rendez-vous. C'est-à-dire euh, rester comme ça un peu dans leur tour d'ivoire, comme j'aime appeler. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ben, Vous perdez de votre superbe, vous perdez de votre authenticité, vous perdez de votre enthousiasme, vous perdez de la vraie version de vous-même, qui est spontanée, heureuse, bien dans sa peau, qui a envie de partager de bons moments avec l'homme qu'elle aime. Donc, il faut que vous compreniez tout ça, que ça devienne naturel. Et la meilleure clé dans tout ce cheminement, c'est de s'approprier le meilleur, comme j'aime à le dire. C'est-à-dire de penser que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la femme la plus importante de votre vie. Et de toujours penser en priorité dans votre sens. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est de l'égoïsme positif. C'est d'avoir un bon mode de fonctionnement pour soi-même et s'apporter le meilleur. Est-ce que dans cette situation, je suis heureuse ou pas est-ce que dans cette situation, cet homme se moque de moi Est-ce que dans cette situation, il ne pourrait pas lui m'appeler Parce que je suis en soi une reine, une chose précieuse, euh, la femme qu'il faut conquérir, et non l'inverse. Vous ne devez pas vous dévaluer, mendier de l'amour, faire en sorte, comme un bon commercial, de vous vendre. Vous devez être beaucoup plus subtil. Vous devez avoir cette maîtrise en vous. D'être véritablement aux commandes de votre vie amoureuse, de générer cette énergie féminine dont je parle tout le temps, c'est-à-dire une énergie qui vous permet justement d'être véritablement libre, puissante, qui sait prendre les bonnes actions, qui sait encore une fois euh, jauger si cet homme est le bon homme ou pas, parce que elle aura compris que en s'apportant le meilleur, elle se s'ouvre le chemin. Pour justement avoir cette réciprocité dans son monde extérieur. J'aime cet adage qui dit que plus vous maîtriserez votre monde intérieur, plus vous maîtriserez votre monde extérieur. C'est-à-dire que plus vous serez dans cette conscience de savoir si cette situation est douloureuse ou pas, si vous allez vous auto-saboter, si vous allez vous malmener, si vous allez vous dégrader, peut-être, vous humilier encore une fois. Pourquoi avez-vous besoin de faire tout ça Pourquoi avez-vous besoin de vous sous-estimer alors que le bon chemin, c'est de redorer son blason, de prendre cette belle part du gâteau, de faire en sorte de voir cette belle femme que vous êtes, de vous nourrir au quotidien pour grandir, être puissante, être libre encore une fois Vous comprenez Et faire en sorte que quand vous vous déplacez dans la rue, eh bien, vous n'êtes plus en demi-teinte à essayer de trouver un élément qui confirmera que vous êtes valable, mais plutôt le contraire, d'avoir cette assurance d'être une opportunité et par ce fait, faire en sorte que les autres n'aient que ce réflexe naturel de comprendre ce qui transpire de vous-même. Je prends souvent cet exemple de dire, que, par exemple, si dans ma journée, je, je démarre ma journée en étant véritablement heureuse, bien dans mes masquettes. Je suis satisfaite de moi-même, des actions que je mets en place. Je m'apporte le meilleur en, par exemple, faisant des choses très banales. C'est-à-dire, je pars en prenant soin de moi, en prenant un bon petit déjeuner en faisant attention à mon physique, en faisant attention à mon look. Je suis au petit soin pour moi-même. Je prends du temps pour me préparer, pour me maquiller, pour me coiffer, pour m'habiller. Je fais mon sport. Je mange bien, comme je vous le disais. Ensuite, je vais m'apporter tout ce qu'il me faut en termes d'énergie. Ce n'est pas simplement une énergie physique, c'est une énergie aussi émotionnelle, c'est-à-dire avoir en moi un temps pour moi, pour préparer ma journée. Ça peut être de différentes manières, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à conscientiser sa journée, à l'appréhender, à la visualiser, à comprendre de quelle manière on veut se positionner, à comprendre de quelle manière on va endosser quel rôle dans cette journée. Et tout ceci va faire en sorte de conditionner, de vous donner le là, de faire en sorte d'être cette femme, comme j'appelle, une femme donc aux commandes de sa vie et irrésistible. Donc mesdames, reprenons. Lorsque nous n'avons pas cette conscience que nous avons de la valeur, on va supplier l'autre de nous aimer. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il va penser Il va penser que vous êtes désemparé, que vous sous-estimez, que vous n'avez pas conscience de votre valeur, que vous êtes prête à baisser vos standards, que vous êtes prête à accepter des miettes. Et dans ces cas-là, vous pouvez rencontrer tout un tas d'hommes qui profiteraient de la situation. Parce qu'on va dire que cet homme qui disparaît du jour au lendemain, en soi, il vous fait un cadeau. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand vous êtes dans ce genre d'énergie, dans l'énergie de ce que j'appelle ⁇ aime-moi, s'il te plaît, aime-moi, je t'en supplie, aime-moi ⁇ eh bien, quand vous êtes dans ce genre d'énergie, vous pouvez être la proie à des pauvres gars, des pauvres types, des manipulateurs, des pervers narcissiques, comme on entend tellement parler. Bref, vous pouvez être la proie. De ce genre d'hommes qui vont s'amuser de ça, qui vont comme ça pouvoir encore plus vous éteindre, encore plus vous diminuer, encore plus profiter de cette situation pour mieux se valoriser eux, pour pouvoir vous avoir sous sa coupe, pour ainsi vous maîtriser, pour vous mettre dans une petite cage, parce qu'il y a des hommes qui aiment surplomber la relation pouvoir comme ça euh, faire de vous sa marionnette, faire de vous une femme qui sera facile, malléable, qui sera tellement en demande d'attention, d'affection, d'amour, qui comme ça, lui, pourra jouer à volonté avec vous. Vous serez prise comme ça dans un carcan, car n'ayant pas non plus de clairvoyance par rapport à tout ça, eh bien malheureusement, vous serez euh, encore une fois dans un piège, une boucle invertueuse. Qui vous fera toujours demander plus d'amour, plus d'attention, plus de, de signes que vous êtes valable, acceptable, louable. Et prise dans ce piège, cet homme jouera avec le chaud et le froid et vous gardera, encore une fois, dans une relation qui ne vous épanouira jamais au pire, qui vous rendra tellement malheureuse. Donc, il est. Très très important d'avoir cette conscience que parfois sur des signes anodins, comme le fait de ne pas avoir de retour d'un homme, de ne pas avoir d'appel qui ne nous, qui nous relance pas, qui ne nous appelle pas, qui ne nous donne plus de signes de vie, et eh bien parfois dans la vie c'est un cadeau parce que cela nous permet de nous poser les bonnes questions. Il faut toujours que vous compreniez que dans la vie il n'y a pas d'expérience destinée à vous malmener, il y a juste des signes qui sont là destinés à vous faire prendre conscience que quelque chose ne va pas. À vous faire prendre conscience que vous devez justement vous arrêter, vous asseoir avec vous-même et vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette situation n'est là que pour me malmener, me faire du mal, ou justement elle est là destinée à me faire grandir, à passer à l'étape supérieure pour que je me sorte de ce genre de situation qui, encore une fois, recommenceront encore et encore avec des partenaires différents, avec des hommes qui ne se ressembleront pas, mais en soi, vous laisseront toujours dans le même schéma qui vous désappointera, ne vous fera pas comprendre votre valeur et attirera par réciprocité ce même genre de personne. Donc, mesdames, très important, même si vous êtes une femme destinée à avoir une très très belle relation, il faut que l'action première, la réaction première vienne de vous pour casser les schémas, pour dire stop, comme moi, je l'ai fait dans ma propre vie, il y a de cela très très longtemps. J'ai dit stop à des situations qui ne me convenaient pas, parce que je me suis honorée. Parce que je me suis respectée. Parce que je me suis dit, eh bien Samantha, tu mérites le meilleur. Samantha, tu mérites une belle relation qui te comble. Et de la même manière que je le fais dans toutes les sphères qui sont importantes dans ma vie. Donc mesdames, je vais vous donner quand même quelques clés pragmatiques que vous devrez mettre en place quand un homme ne vous répond plus. Eh bien premièrement, si cet homme décide de ne plus vous répondre, eh bien, vous ne répondez plus. Vous ne répondez plus, vous prenez des distances et en soi, si vous n'êtes pas importante pour lui, eh bien, vous ne devez pas le considérer comme une personne importante. Donc, juste une chose, je vous mets en garde car j'entends beaucoup beaucoup de conseils sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux que pour faire bouger un homme. Eh bien, il faut pratiquer des actions comme le fut moi je te suis". Malheureusement, ce genre d'action va vous rendre malheureuse sur le long terme, car en soi, c'est éphémère. Vous êtes là, peut-être, à prendre de la distance, mais vous êtes derrière votre téléphone, à supplier encore une fois, pourvu qu'il m'appelle. Ou alors, vous allez refuser des sorties, parce que vous êtes encore une fois à attendre que cet homme puisse vous faire signe de vie, et vous voudriez être disponible pour lui, etc., etc., etc vous comprenez que vous vibrez le manque vous vibrez le désespoir et cet homme en soi même s'il n'est pas physiquement auprès de vous même s'il n'est pas à côté de vous il le ressent moi j'ai une de mes étudiantes qui on a beaucoup travaillé sur, sur tous ces sujets et elle me disait eh bien c'est fou à chaque fois que je prends un peu de bon temps que ce soit le fait de profiter d'aller au restaurant de ne plus penser à lui ou alors d'être de, de partager des moments avec d'autres hommes, mais en, en tout bien, tout honneur, hein, simplement à discuter, il rapplique, il me rappelle. Je reçois un SMS de sa part, je reçois une action de sa part. Bizarre. Parce qu'elle n'est plus dans la même énergie, parce qu'elle n'est plus dans le manque, dans le désespoir, elle n'est plus euh, tournée vers lui avec encore cette énergie de Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. Non, elle reprend le contrôle de sa vie. Elle reprend du plaisir avec d'autres personnes. Elle appréhende sa vie comme il se doit, sans mettre son focus sur l'autre. Vous comprenez De la même manière, vous comprenez toutes que parfois, on est là à penser à une amie, à quelqu'un, et puis d'un seul coup, le téléphone sonne. Ce n'est pas anodin. C'est juste que, en termes vibratoires, vous pensez à l'autre. Vous avez envoyé une onde, une vibration vers l'autre, qui a ressenti comme de la télépathie. C'est pour ça que je vous explique mesdames qu'il faut profondément travailler en vous sur votre développement personnel si vous voulez réussir vos relations amoureuses. Tout est lié dans la vie d'une femme. Plus je m'accepte, je m'aime, j'ai conscience de ma valeur, plus je suis une femme irrésistible jusqu'au doigt de pied, eh bien vous allez comprendre que cet homme que vous aimez ne pourra faire autrement que de capter votre énergie, de capter votre vibration qui est puissante, qui est véritablement Amour pour vous. Donc, comme je vous le disais, premier point, on ne répond plus. Deuxième point, vous lui laissez de l'espace. De l'espace physique, de l'espace émotionnel, de l'espace pour que, comme un grand garçon, il puisse prendre sa décision. Mesdames, est-ce que vous voyez des hommes qui, par exemple, vont crever en voiture, vont se dire, je change ma roue ou pas Est-ce qu'ils se posent ce genre de questions est-ce que professionnellement, s'ils ont une décision à prendre, ils vont euh, comme ça tâtonner, errer, ne rien faire Est-ce que ce genre d'homme euh, lorsque il doit par exemple euh, passer euh, du temps ou passer du temps dans ses activités sportives, eh bien, euh, il reste comme ça sur la touche, sur son banc à regarder les autres hommes vivre leur vie non, ils vivent. Ils ont des sphères comme nous très importantes. Mais la sphère affective, je peux vous garantir, mesdames, que quand vous savez envoyer le bon message, quand vous êtes une femme qui avait véritablement cette irrésistibilité en elle, sans jouer un jeu, sans jouer avec des accessoires qui sont bien trop fugaces, comme le fait de revêtir une superbe robe, d'aller chez le coiffeur, d'être véritablement une femme euh, qui est sexy, quand vous vous êtes approprié des atouts qui sont en soi, qui ne partiront jamais de vous, eh bien, je peux vous dire que cet homme va courir, comme il le fait quand il a besoin de faire quelque chose et que c'est essentiel pour lui, parce que vous deviendrez son essentiel. Vous ne resterez pas sur le banc de touche, vous comprenez Donc, cette décision de vous rappeler doit venir de lui et non de vous. Mesdames, je vous rappelle que les hommes sont des hommes d'action, des hommes qui vont prendre des décisions, qui vont agir. Ce sont des chasseurs, c'est dans leur gène. Ils vont, comme ça, aller en quête de la femme qui va les ravir. Et ils vont avoir ce désir puissant de bouger pour elle. Ça fait partie de, de leur masculinité. Et si vous, avec votre énergie masculine, vous voulez, encore une fois, faire tout pour lui démontrer qu'il est dans le bon sens, eh bien, vous le forceriez. Et un homme n'aime pas être forcé. Donc, deuxième point, laissez-lui cet espace pour qu'il sache prendre des bonnes décisions. Si lui vient vers vous, tant mieux. Et vous aurez réajusté le curseur pour que votre relation, les prémices de cette relation, partent dans la bonne direction. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ne vous abaissez pas à quémander de l'amour, reprenez votre dignité et pensez bien qu'il n'existe pas qu'un seul homme sur terre. Heureusement, regagnez votre énergie de positivité, d'abondance et d'amour pour vous-même. et en soi en mettant les bonnes actions en place vous verrez que ceci sera juste un souvenir fugace dans votre vie et que vous n'y penserez même plus et puis en soi nous n'avons pas besoin de plaire à tous les hommes nous avons besoin de plaire à l'homme valable louable acceptable un homme qui nous rend heureuse un homme qui puisse être en soi l'homme de notre vie donc pas de demi-teinte pas de quémandage nous voulons un homme qui se batte pour nous. Troisième point, changez votre mode de fonctionnement, changez votre focus. Vous n'avez pas besoin de porter toute votre attention sur lui pour que ça fonctionne. Encore une fois, vous devez, je me répète, mais il faut que ça rentre dans votre état d'esprit, il faut que vous compreniez que c'est le bon cheminement, que vous puissiez vous apporter le meilleur. Vous êtes la réponse à vos questionnements. Encore une fois, il faut vous tendre la main, il faut vous accompagner, ne pas vous abandonner dans ce cheminement. Bien évidemment, cela demande des efforts, cela demande de l'engagement vis-à-vis de soi-même pour réussir et non juste d'essayer. Cela demande aussi de mettre les bonnes actions en place petit à petit pour s'éveiller dans ce chemin de l'amour. Mais croyez-moi, une fois que vous aurez pris cette décision, une fois que vous serez engagé avec vous-même, eh bien, vous regarderez tout ça de loin. Vous serez au bras de l'homme que vous aimez, en compagnie d'un être qui sera tourné vers vous, attentionné, aimant, qui voudra le meilleur pour vous. Et vous, vous serez comblé dans tout ça. Bien évidemment, ces cadeaux-là sont réservés à un certain type de femmes. Des femmes qui se disent qu'à partir d'un moment dans leur vie, cela suffit qu'à partir d'un moment dans leur vie, elles doivent casser les schémas qui se reproduisent encore et encore qu'elles doivent investir en elles apprendre, je vous le répète, les relations amoureuses s'apprennent comme on apprendrait de la cuisine, de la poterie, de la mécanique ou des maths. Vous pouvez apprendre les relations amoureuses, vous faire confiance, avancer progressivement dans ce chemin de vie pour atteindre votre réussite. Ce qui m'amène au quatrième point, travailler. Mesdames, travaillez sur vous. Simplement, dites-vous que ça vaut la peine. Car si on ne change rien, où allez-vous vous trouver dans 1, 2, 5, 10 ans j'ai des, des femmes qui, je vois, qui me suivent, je vois leurs questionnements, j'observe vos commentaires, je regarde, je réponds, et je vois ces mêmes femmes qui, au bout d'une année, en sont toujours au même point. Cela me fait mal au cœur pour elles. Vous savez, ce que je veux vous enseigner, c'est ce que je mets en place dans ma propre vie. Si, vous pouvez le constater, si vous regardez ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube, et à présent... Il y a une évolution. Encore une fois, comme je vous le dis, dans chaque domaine, on évolue quand on s'en donne la peine. Donc, dans ces relations amoureuses, eh bien, si vous commencez à mettre les bonnes actions en place, si vous commencez à mettre les mains dans le cambouis, sans honte, sans reproche, sans culpabilité, sans le fait de vous dire si j'avais su, ou euh, ben bah non, je m'en sortirais toute seule, ou que sais-je, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez pouvoir avoir une vie amoureuse fluide, facile, accessible, comme je l'ai fait dans ma propre vie et comme le font mes étudiantes. Donc encore une fois, le fait que vous puissiez comprendre tout ça, le fait que vous puissiez vous apporter le meilleur en investissant en vous, dans des formations, il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnements sur le net, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres coachs, eh bien, trouvez votre fibre, trouvez la personne qui vous parle le plus, la personne vers qui vous avez confiance, et faites-vous aider tout simplement. Et cinquième point, mesdames, si cet homme vous tient à cœur, si cet homme est vraiment l'homme de votre vie, si vous sentez qu'il ne doit pas vous échapper, eh bien, il faut que vous compreniez que vous devez envoyer un autre message. C'est toujours une question de correspondance. Beaucoup, beaucoup de femmes se retrouvent dans des situations où elles laissent passer des occasions de vivre de belles histoires avec des hommes. Bien sûr, il existe des manipulateurs, des pauvres gars, des pauvres types, mais en soi, on doit toujours se responsabiliser. Qu'est-ce que j'accepte dans ma vie Qu'est-ce que je laisse faire ou pas Vous savez, tout est une question d'autorisation. Et aussi, vous comprenez que quand vous devenez une autre femme, une nouvelle femme, la même version que vous-même, mais plus grande, plus forte, plus vaillante, plus confiante, qui s'apporte le meilleur, eh bien, vous changez les hommes que vous attirez. Vous n'attirez plus le même genre d'hommes. Parce que ces hommes qui sont méchants, mauvais, des pauvres gars, des pauvres types, comme j'aime les appeler. Eh bien, face à une, ce, ce genre de femme que vous serez devenue, ils n'auront pas envie parce qu'ils n'auront pas prise. Vous ne serez pas une proie facile. Ils auront compris que vous n'allez pas vous laisser faire. Même d'une manière douce, même d'une manière posée, vous aurez en vous des clés qui feront que cette femme se dira Ah, avec ce genre de femme, je ne pourrai pas m'amuser. Je ne pourrai pas la manipuler je ne pourrais pas faire ce que je veux avec elle. Et comme ces hommes se nourrissent un peu de votre désarroi, du fait que vous êtes en demande d'amour, du fait que vous êtes dépendante affective, eh bien, ils n'auront pas envie d'aller avec vous. Et vous laisserez la place comme ça au bon gars, à cet homme qui a envie de construire une belle histoire d'amour, à cet homme qui a envie d'avoir une femme à ses côtés, avec qui il puisse partager de bons moments simples, avec qui il puisse avoir des projets. Côté d'une femme avec qui il va pouvoir se sentir heureux, et tout ça, je l'apprends, mes étudiants. Donc, mesdames, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui est très riche. Il y a beaucoup d'enseignements à travers cette vidéo. Bien évidemment, chaque chose va pouvoir vous permettre de grandir dans le chemin de vie où vous vous trouvez. Je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous, et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de nos aventures pour voir enfin toutes ces femmes. Réussir en amour, c'est ce que je vous souhaite. Ciao